2020, cette date nous paraissait tellement éloignée il y a 10 ans. Et ça y est, nous y sommes. En tant qu'expert du développement du leadership et du coaching professionnel, Talentis a participé avec vous aux grandes mutations de l'entreprise et du leadership. Ces 10 dernières années, nous sommes passés de l'ère du je à l'ère du nous. C'est-à-dire abandonner les objectifs individuels au profit des objectifs collectifs et passer de l'ère des équipes hiérarchiquement rattachées à un manager à l'ère des équipes transverses, multiculturelles et multifonctionnelles qui travaillent les unes avec les autres en toute interdépendance. De l'ère des leaders charismatiques ayant toujours la réponse et drivant seuls ses équipes, nous sommes passés à l'ère des équipes co-responsables et au leadership partagé, du bureau individuel au smart office. Pour la prochaine décennie, nous devinons déjà de manière claire les mutations à venir au sein des entreprises. Ces 10 prochaines années, l'entreprise passera de l'ère du nous à l'ère du tout. Après l'ère du développement durable, nous entrons dans l'ère du tous responsable. Que l'on soit talent, manager, leader, nous serons tous pleinement responsables de la survie de notre planète et de l'ensemble de ses composants vivants et non vivants. Les talents de chacun seront mesurés à l'aune de notre contribution à la planète. Notre équipe, notre entreprise, certes, mais surtout notre contribution à l'environnement. La volonté de construire prendra le dessus sur l'habitude de détruire. Chacun basera ses décisions d'investissement, de recrutement, de marketing ou autre, en prenant en compte aussi bien les besoins de protection de la planète que les éléments d'ordre financier. Tout le monde trouvera cela évident. L'inverse ne sera ni accepté, ni acceptable et ni admissible. Chacun sera 100% responsable de sa carrière, de son développement, de la réussite et du bien-être de ses coéquipiers, de ses collaborateurs, de son entreprise, mais aussi de la planète. Chacun sera encouragé à offrir toutes ses ressources créatives, coopératives, courageuses et dignes de confiance pour imaginer de nouvelles solutions associant à la fois la satisfaction des clients et la survie de la planète. Fini l'ère des faux-semblants sur la réduction de l'empreinte négative. Place à la construction d'une empreinte fortement positive. Entre 2010 et 2020, nous avons donc vécu la transformation de l'ère du « je » à l'ère du « nous ». Nous passons maintenant de l'ère du « nous » à l'ère du « tout ». Talentis s'engage avec vous à construire les meilleurs programmes pour faire de tous vos talents des leaders responsables. Et pour nous, chez Talentis, les 4 qualités qui vont faire la différence dans les 10 prochaines années, au-delà des compétences de leadership, c'est l'intégrité, l'authenticité, l'humilité et le courage.